Salut à tous, c'est Linkous et bienvenue dans ce 16e épisode de Pokémon Emerald en Alpha Locker Random. Ça faisait très longtemps la dernière fois, eh bien on avait continué notre route en passant par Autechia et je vais vous révéler maintenant les 6 lettres de l'épisode comme d'habitude. Alors, je vous avais promis que dans le dernier épisode, j'allais sortir l'épisode très vite, mais non, malheureusement j'ai pas tenu ma promesse, mais en contrepartie, je vais faire un épisode plus long, j'espère que vous m'en voudrez pas trop, parce que je m'amuse beaucoup sur Zelda en ce moment. Comme vous le remarquez, allez, trêve de bavardage, la première lettre, ça, il s'agit de la lettre J, la lettre T, la lettre G, la lettre V, la lettre W, et enfin sixième et dernière lettre, il s'agira de la lettre P. Et voilà, nous avons les 6 lettres de l'épisode, alors voyons voir qui peuvent... Alors, vous aurez remarqué que j'ai entraîné Sablero, je me suis finalement décidé, et c'est Sablero que j'ai intégré dans l'équipe. J'ai remis Koufar dans l'équipe aussi, et on a les 4 habitués. Donc voilà, alors Sablero. Bon, bah je suis deg, Sablero ne peut pas. D'accord, bon bah il peut pas, Masco. Hermure peut pas non plus, d'accord. L'énergie. Ok, l'énergie peut, il y a la lettre G, heureusement, hein. Chartor peut aussi. Et enfin, Nostanfer peut aussi. Voilà, et bien écoutez, les trois là peuvent pas. Alors ça, c'est fou quoi. Donc je vais les déposer dans le PC, hein, malheureusement. Oh là 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 là. Une team réduite. Et donc voilà. Cet épisode sera composé de 3 Pokémon uniquement dans notre team. Enfin, pour l'instant, si on n'en capture pas d'autres, bien sûr. Bon, bah écoutez, ça va être chaud, hein, mine de rien. On est parti. J'en ai attrapé un gros, je te dis. Moi, je n'ai pas qu'un joli minois. Ah. Alors, voyons voir. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas fait du... Emerald Alpha Lock, là, ça me fait plaisir de reprendre. Allez, ils envoient gentiment un Capumain et un Abra. Ça va. On est au niveau 24, on a un bon niveau, franchement. Oh, préscience, attention, hein. Bon, bien sûr, il y aura du montage, hein, du montage rythmé, du montage soutenu pendant cet épisode, comme les deux précédents, hein. J'ai décidé de mettre ce type de montage en place... de 1 pour pas que vous vous ennuyiez et de 2 pour que je puisse avancer dans les épisodes en fait. Oh non, le sac est plein, mais t'es sérieux là? On va jeter un muscle plus. J'espère que je le regretterai pas plus tard, hein. Voilà, c'est jeté. Allez, grande perle, voilà, très bien. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revendre, c'est que je vais revendre vite fait des trucs. Comme, je vous épargne ça. Eh bien, Léon, nous pouvons continuer hein, à présent. Et donc, on va continuer avec Foudroyx. Si on s'affrontait à la pêche, tu n'aurais aucune chance contre moi. Alors, amène tes Pokémon. Allez, éclair, surtout qu'il est qu'au niveau 16. Et mine de rien, il faut se le dire, Foudroyx évolue au niveau 30. Hein. Bon, c'est pas pour tout de suite. Mais on peut commencer à entrevoir une évolution. Ah, et ça, ça va faire plaisir. Hein. Et là, ça sera un méga Foudroyx. Allez, Gobou. Ah bah là, on a totalement l'avantage du type. Hein. Sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Bon, j'espère que ça vous fait plaisir que je fasse... De me retrouver, tout simplement. Hein, et... bon, bref. On va se calmer et on va envoyer Locoma. Et on continue. J'ai besoin d'exercice après un repas. Affrontons-nous. Ça y est, je suis déchaîné. Non, je rigole, je suis pas déchaîné. Ça va pas le faire. Allez, pied brûleur. Oh bah ça sent aussi le niveau 25 pour Locoma. Je rêve pas, hein. Je ne rêve pas. Les dégâts sont décuplés à fond. Allez, niveau 25 pour Locoma, ça fait plaisir. Allez, Claire Jacqueline a été battue. Y'a quoi par là? Ah, Perle, ok.
Ça sera à revendre aussi. Et on va continuer. Donc, sur cette route, on avait attrapé un Pokémon, il me semble. Eh bien oui, je me sens d'humeur. Je vais t'en apprendre sur les Pokémon. Bien sûr, c'est moi le maître Pokémon. Maître Linkos, on m'appelle parfois. Non mais c'est vrai, hein, je suis pas en train de me vanter. Oh, attendez, Volcaropod et Spectrum. C'est quand même des Pokémon, disons, assez bons. Alors, attendez. On va envoyer Lokoma. Et Foudre X, tu vas me faire Hélicanon sur Volcaropod. Parce que je veux pas prendre une attaque roche. Hein. Et surtout qu'on fait intimidation aussi. C'était calculé. Non, je l'avais oublié en fait. Mais c'était calculé. Inconsciemment. Mais voilà, c'était calculé. Il va se taire ce Linkos. Mais c'était calculé. Oh non! Foudre X, allons! Jusqu'au dernier épisode, tes Hélicanons passaient tout le temps! Et là, il ne passe plus. Quel malheur. Allez, éclair. Oh, détritus! Détritus! Oui, moi je dis détritus au lieu de détritus. Allez, hop, voilà, ça passe. J'avais pas calculé ça. Ok, il n'augmente pas ses stats, heureusement, hein, parce que sinon ça serait un petit peu la catastrophe. Ok, pas mal. Et ça baisse sa défense. Accessoirement, c'est pas mal. Éclair, ça l'achève. Eh bien oui. Eh bien oui, je dirais même. Eh bien voilà. Développeur allié CAM. Étonnante façon de se battre. Eh bien oui, je suis d'accord avec vous, les jumelles. Allez, on va utiliser une petite super potion. Ah, c'est Annette, je suis désolé, c'est la pagaille. Quand je suis plongé dans mes recherches, je n'ai pas le temps de ranger. Ça me rappelle une perso dans un animé qui s'appelle Nodame Cantabile. Eh bien, en fait, c'est une jeune étudiante dans la musique pour le piano précisément. Eh bien, c'est le bordel. Eh bien. Dans sa résidence, en fait. Voilà, petite anecdote. C'est très embarrassant si tu n'en parles à personne, je te donne ça. Allez, on continue avec ce dresseur. C'est sympa le camping, on pêche, on fait griller des marshmallows et on raconte des histoires qui font peur. Mais le top, ce sont les combats de Pokémon. Eh ben, bien sûr, ça passe évidemment avant la bouffe. Il est bien connu que je tourne mes épisodes toujours avant la bouffe. Enfin, avant de manger, bien sûr. Pas du tout. Allez, Aéroblast, Bomber qu'on va faire. Ça a plus de PP. Et... bah non. Eh bien non. Oh, Nidorino. Ok, un petit Nidorino. Niveau 25 quand même. On a quand même pas mal d'avance sur de niveau. Hein. Mais bon, aussi on utilise souvent les mêmes Pokémon en ce moment. À cause des règles des lettres. Aussi, ce que j'ai oublié. C'est en capturant les différents Pokémon, eh bien j'ai oublié de renommer avec les trois lettres de l'épisode en fait. En ayant trois lettres au moins dans le surnom, si vous comprenez. Donc voilà, et ça c'est un petit peu un problème. Du coup, je sais pas si je les renommerai. Au pire, c'est pas grave, j'ai pas besoin de les renommer. Si j'y pense, tant mieux. Si j'y pense pas, contrepartie, un malus. Dites-le-moi dans les commentaires au pire. Je le mériterai. Oh, tu vas affronter mon Pokémon? Oui, j'ai fait une voix un petit peu qui fait peur. Et allez, chef Max, Carapuce, Carapuce, Carapuce. Bon, je me calme. Eh, niveau 26, hein, bientôt. Hein. Mais on ne sait jamais, mais je ne pense pas. Mon Pokémon! Bon, allez. N'oublie pas ce que tu viens de me faire, non, mais oh là. Je viens de te battre, c'est tout. Pépé Max, eh ben. On obtient de rudes objets ici. Hein. Il n'y a pas un objet ici? Attendez. Oh, il n'y en a même pas, eh ben. Bah écoutez, on va continuer. Avant d'allumer un feu de camp, il faut s'assurer d'avoir de l'eau à proximité. J'ai fait une voix de montagnard. Bon, ça c'était horrible. Je peux sortir si vous voulez. Non, je rigole. Il faut que j'assure pour l'épisode. Hein. Eh,
Si vous voulez que je continue, eh bien, il faut que je reste ici. Je ne peux pas sortir sinon. Ou sinon, je peux faire l'épisode en extérieur, hein. Attendez. Transition. Ah bah non. Vous aviez cru, hein. Ah bah j'aurais pu le faire, hein. Genre 2 secondes en extérieur, vous auriez vu derrière moi les arbres et tout ça. Ça aurait été stylé, n'empêche, hein. Un épisode en extérieur. Ça vous aurait changé. Il a fait un repos, là. Il est nul. Et nous avons un Kirlia. Et c'est un Kirlia, c'est pas une Kirlia, hein. Je vous vois venir. Coup de boule. Oh, le coup de boule. Ah oui, c'est vrai, j'ai mes restes. Attendez, c'est pas la première fois que s'activent mes restes durant cet épisode. Ça veut dire que je m'étais pris aucun dégât. Non mais vous êtes sérieux, là? Oh, et je suis au niveau 26. Non mais, vous vous rendez compte un petit peu? Bon, bref, merci d'avoir éteint mon feu. Eh bien, je t'en prie. Tu ne devrais pas grimper dans les montagnes sans préparation. As-tu bien fait évoluer tes Pokémon? Ça change totalement d'ambiance. Attendez, ah oui, attendez, j'ai la vive griffe sur le coma. C'est pour ça qu'il est plus rapide, qu'elle est plus rapide que nos Starfer. Ah non, t'as 4 Pokémon, ah oui. T'es un petit peu chiant du coup, comme genre de type. Hein. Allez, ce polyphique battu. Tu en vois quoi derrière? J'ai hâte de voir la bouse. Oh, balillon. Ok, c'est super efficace, tant mieux. Alors. Ok, et Bomberk. Attendez, je regarde un truc. Pour les lettres, Ryuka ne pouvait pas non plus, notre Elidel. Eh bien, elle pouvait pas non plus, c'est incroyable. Ah non, mais attendez, Elidel, justement. Eh bien, elle ne pouvait pas. C'est étonnant, hein. Eh oui. Donc, on aurait pu... Tu m'as surpris, le montagnard. On aurait pu voir dans le PC. Mais bon. La la la, hihou. Par contre, j'ai plus beaucoup de pieds brûleurs. Et ça va être un problème. Ok. Et enfin... Arco. Plénitude. Oula, tu rigoles pas, toi. Et c'est là, il me fait gicler d'eau. Ou hydrocanon, ou je ne sais pas, moi. Il pourrait pas me tuer. Et je le one-shot de toute façon. Parce qu'il a des défenses et des PV en carton, l'arco. La 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 la. Hi-hou. Pardon. J'ai dû détruire vos oreilles. Et puis voilà. Allez, c'est parti pour le site météore. Donc, nous allons capturer un Pokémon. Et ça va faire zizir. Une Luxe Ball, étonnant. Ah ouais, une Luxe Ball, c'est stylé. Et c'est... le Pokémon va être un Noarfang. N-O-A-R-F-A-N-G. Oh non, il y a le G. Bon, Noarfang, c'est pas le meilleur Pokémon, mais pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas, vite fait, allez. Bon, on va utiliser une Super Ball pour commencer. Allez, fais-moi une attaque physique. Ouais, il va être chiant à capturer, hein. Oh, triple attaque. Ouais, mais une attaque physique de contact, attention. Faut préciser. Boop. Oh, non. Bon, c'est progressif, hein. Ça remue de plus en plus. Boop. Et voilà, capturé. Ça fait plaisir. C'est un Noarfang, c'est pas mal. Dans l'obscurité, Noarfang ne rate jamais une proie. Il le doit sa vision surdéveloppée qui lui permet de tout voir et à ses ailes souples et silencieuses. Bon, je me suis pas trop foulé, je l'appelle Gaipora en référence à Ocarina of Time, le célèbre hibou qui nous indique le chemin et qui a son texte qui passe à 2 à l'heure. Ah, il tient un objet. Manier piège, piège les Pokémon acier. C'est pas très utile, hein, pour Noarfang. Bon, peau métal, eh ben, t'aimes bien les Pokémon acier, toi, t'es... Waouh. Alors, voyons voir. Tornade cruelle, coup de crâne. Pas mal, et triple attaque. Ouais, c'est pas le meilleur Pokémon qu'on ait capturé, mais bon. C'est un Pokémon comme un autre. C'est pas un Pokémon terrible, hein. Honnêtement, on a connu mieux, mais bon. On va faire avec.
Oh, attendez là. Hé, avec ce météorite, ce truc au mont Chimney va. Hé, je ne sais pas qui tu es, mais si tu croises la route de la Team Magma, ne t'attends à aucune pitié. Laissez ça, Team Magma. Vous faites une grossière erreur si vous pensez pouvoir diriger le monde à votre manière. Hé, même la Team Aqua nous a rejoint. Ça ferait trop si on devait vous affronter un par un. Eh, c'est pas grave, on a le météorite, alors on va au mont Chimney. Hé, à plus les crétins de la Team Aqua. Ne nous sommes-nous pas déjà rencontrés au musée de poivre et sel? Ah, donc tu t'appelles Linkos. Cette fois-là, j'avais pensé que tu appartenais à la Team Magma. Tu es vraiment une personne étrange. La Team Magma est un groupe de dangereux fanatiques. Ils commettent des actes destructeurs pour essayer d'étendre la Terre. Ce sont nos rivaux, à nous, les amoureux de la mer. Chef, on devrait poursuivre la Team Magma. Oui, il le faut. On a intérêt de se dépêcher. Pas besoin de se demander ce que la Team Magma va faire en mont Chimney. Linkos, tu devrais aussi garder un œil sur la Team Magma, mais sur vous aussi. Adieu! Sur vous aussi, la Team Aqua. Bref. Bonjour, toi. Je suis Cosmo. Je suis un professeur. Des membres de la Team Magma m'ont demandé la route pour aller au site Météore, mais ils m'ont piégé. Ils m'ont même volé mon météorite. Et un autre groupe est apparu, c'était la Team Aqua. Après ça, je n'ai plus rien compris, mais cette Team Magma... Que vont-ils faire avec ce météorite au mont Chimney? Haha. Bref, nous, on va continuer, hein. Oh non, mais sérieux, j'avais tout vidé déjà. Bon, écoutez, on va jeter un truc useless, hein. Tout ça pour un grelosène. Ouais, c'est pas terrible. Bon, bref, on continue. On va, descendre ça. Et on sort d'ici. Cette plage est le camp sacré où je m'entraîne. Ne viens pas me déranger. Ouais, on avait pêché un Pokémon, il me semble, dans l'épisode 6, un truc comme ça, je ne sais plus. Ok, Meditic, ça correspond parfaitement à ton dresseur, hein, bizarrement. Ok, parfait. Allez, intimidation, et on va faire pied brûleur. Force cosmique, je rentre du côté obscur. On m'a souvent dit que je clignais pas des yeux en vidéo, et ce n'est pas bon. Mais il faut que je cligne des yeux. Voilà. Vous êtes contents? Mais ils sont contents, mes chers abonnés, mais oui. Linkos continue comme ça, mais oui, ne vous en faites pas. Allez, chuchemur, on va faire éclatroc. On va l'éclater contre un mur. Ah, vous aimez bien, vous commencez à aimer mes jeux de mots pourris, je pense, aussi, hein. Mais bon... On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, j'ai envie de dire. Allez, je me suis pas assez entraîné. Bien. Allez, bien, tu es libre de venir en retour. J'aimerais t'affronter de nouveau. Eh ben. Fisher Antoinette. Donc d'accord, eux, ce sont des pêcheurs. Attendez, il m'a pas vu ? Mais je suis passé devant lui, c'est une blague. J'aimerais bien genre rencontrer un Pokémon shiny, chromatique. J'aimerais bien, hein, parce que dans aucun de mes Nuzlocke, c'est... Ah si, c'est arrivé dans Pokémon Crystal. Eh ouais. Eh oui. Vous vous rappelez du Lamantine? Eh oui. Je l'avais capturé en off parce que je m'entraînais en fait en off et je l'ai capturé. Que de souvenirs. Oh là là. Je vais pas faire tenir charbon à Chartor parce que ça me servirait pas à grand chose. Ah, j'ai raté les baies. Bravo pour... à moi. Oh, perdu. Oh non, mais j'en ai marre. Bon, attaque plus, ça dégage. De toute façon, j'utiliserai jamais ces trucs-là. Ah, donc, à quoi bon? Bon, bref. On va envoyer Foudre X. Et on va combattre. J'ai un Pokémon, tu voudrais le voir. Tu déranges ma méditation, je vais te le faire payer! Eh, hey, calmos, hein, les deux, là. Oh, on se calme. Ah ouais, d'accord. T'es pas du genre à rigoler, toi? Un aquaquac. Hey, moi, ça me plaît, les défis comme ça. Bah tiens, je vais faire les canons.
Et on va faire Zénith. Ah ah, et ça réduit les capacités de type eau, et oui. Et en plus, ça ne rate pas. Et les canons, merci. À quoi que tu t'es fait bien souiller, je pense. Un Cisaiox ? Ah ouais, là, ça y va pas de main morte, hein. Un Cisaiox, c'est étonnant, ça. Putain, un Cisaiox, là, je m'attendais pas à ça. Waouh. Tu me surprends, petit jeu. On va faire éclair sur Coquillas et... pied brûleur sur Cisaiox. On va pas hésiter. On n'a pas à s'en faire. Heureusement qu'on a les bons Pokémon et qu'on est suffisamment entraîné. Hein. Je pense que ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Ça aide. Allez, on va faire une petite éclair. Et hop, on va faire ultime à point. De toute façon, on n'a plus de pied brûleur. C'est... voilà, ils ont été battus. Tu veux mon Pokémon, c'est ça. Tu as brisé ma concentration et je vais te le faire payer. Ah, je croyais que t'allais dire ça. Bon, on va récupérer les B. On va faire ça, là, tout de suite. Allez, 3 B remue. Voilà. Bon, allez, je vais juste déposer Noirfang au PC, voilà. Et nous, on va continuer et on va rattraper la Team Magma au Mont Chimney. Eh oui. Attendez, y a pas un truc? Non, c'est vide. Le téléphérique est sur le point de monter. Voulez-vous l'emprunter? Entrez, je vous en prie. Et donc, pour finir l'épisode, nous allons affronter... je dis bien affronter les sbires magma. Et donc, voilà. Et on s'arrêtera... lorsque... on s'arrêtera juste avant le chef. Parce que, oui, je me réserve... le chef, alors lui c'est Arthur, je pense. Grrr, Linkos, j'aurais dû me douter que tu pointerais le bout de ton nez. Vois par toi-même de quoi sont capables les fanatiques de la Team Magma. Ils essaient d'injecter la puissance du météorite volé à l'intérieur du volcan. À cause d'eux, le volcan risque d'entrer en éruption. Là, ils se battent là, hein. Attention. Est-ce qu'il n'y a pas genre une CT? Je ne sais pas, non. Bon. Ouais, donc lui c'est le chef de la Team Aqua et le chef de la Team Magma. Eh bien, on fera, j'ai envie de dire, dans le prochain épisode. Donc, on va les affronter, eux, et donc on est parti. Nous, la Team Magma, nous travaillons dur dans l'intérêt de tous. Si la puissance de cette chose étendait la Terre, il n'y aurait plus d'espace pour vivre. Tout le monde serait heureux. S'il y avait plus de terre, je pourrais avoir ma propre maison. Je vais en construire une sur de la lave froide. Allez, on est parti pour la Team Magma. C'est parti les amis. Donc, Granivol et Fantominus. Je pense que ça ira hein, pour ces deux-là. Franchement, on n'a pas à s'en faire. Et donc, est-ce que j'ai soigné mes Pokémon, moi? Attendez, je pense que j'ai pas soigné mes Pokémon. Ouh là là, ça commence à me faire peur. Ah si, je les ai soignés. Mais je m'en rappelais plus. Quoi? Torche? Non mais mais ça va pas là? Oh non. Ah non. Ah t'as pas le droit de me faire ça. Non t'as pas le droit de faire prélèvement du destin. Oh non, je suis pas d'accord là. Attendez, on va faire une team à point. Oula, Fantominus, tu te calmes. Et tu me gèles pas. Merci. Oh, je rate Torgnol. Lance. Mais on se calme là. Attendez, mais je vais galérer contre ça. Mais c'est une blague. Ok, donc là, il n'y a pas le prélèvement du destin qui a été lancé le tour précédent. Quand on va arriver à ce tour-ci. Bon, éclair. Zénith, tiens. Blizzard encore. À force, je vais faire du placement de marque. Enfin, d'enseigne, tout ça. Non, mais Foudroïque, c'est gelé, quoi.
Ah, je suis dégelé. Mais c'est étonnant, ça. Étonnant. Là là. Et voilà, ils ont été battus, les entrepreneurs. Donc les sbires à quoi, magma, pardon, c'est les ce sont des entrepreneurs. Ok, et nous avons le chef ici. Hé hé hé, alors t'as fait tout le chemin jusqu'ici? Mais il est trop tard, j'ai déjà remis le météorite sur du site Météor au chef. Ok, lui c'est l'admin, il me semble. Kelvin, il s'appelle un truc comme ça. Ouais, mais oui, du coup c'est randomisé. Oh, niveau 18, enfin Evoli. C'est surtout parce que c'est un Evoli. Je m'en fous qu'il soit au niveau 18 ou autre chose. Ok. Grondement, et... Mais tu te calmes. La 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 la. On fait éclair et on le... Mais chaos se évolue. Et voilà. Niveau 27. Très bien. Et... Ah Mania. Comment dire que je dis pas non, en fait. Je vais prendre ça à la place de Torgnol. Voilà, comme ça. Bah, ça me fera une attaque physique meilleure à la place de Torgnol. Piafabec. On va laisser Foudre X. On va laisser Foudre X. Et on va faire éclair. Ah, ça me gratte aux cheveux. Coup critique, parfait. Bon, vous aurez remarqué qu'au fil de l'épisode, le fond c'est noirci. C'est parce que je tourne le soir en fait et il commence à faire noir. C'est pour ça, voilà, voilà. On va faire éclair. On va être raisonnable, on va pas faire mania. Hein. Sport coton, j'aime pas trop ça. Mais comment dire que j'aime pas trop ça? Bon, les restes reviennent. Ok, ça me restaure 5 PV. Parfait. Ah, bon. Et c'est qui le dernier Pokémon? Voltorb. Bah écoutez, à coup de mania, ça peut se régler, je pense. Electacle. Ah, je m'attendais pas à ça. Quelques dégâts, mais ça va. Rien de bien paniquant, alertant, tout ce que vous voulez. Et voilà. Vous avez battu ta mère, Jimmy. Hé hé, même si j'ai perdu, si notre chef arrive à réveiller cette chose. Eh bien, écoutez. Attendez, je vais faire un petit truc. Voilà, vous avez entendu une micro-coupure de son. Nous, on va s'arrêter à côté du chef, et le prochain épisode aura une entrée en matière un petit peu spéciale, vous verrez. Je vous en dis pas plus. Pour savoir, eh bien, rendez-vous au prochain épisode, voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu, hein. Je me suis un petit peu rattrapé. Et donc voilà, n'hésitez pas à répondre à la question du jour, à commenter cet épisode, et donc voilà. On se retrouvera pour l'épisode 17, il me semble. Allez, c'était Linko, c'est bye tout le monde !